Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment il est possible de couper un circuit en cas de travaux sur un circuit électrique. Donc, la manière la plus radicale, c'est bien sûr de couper le disjoncteur général. Donc maintenant, je coupe le disjoncteur. Donc maintenant, il n'y a plus d'électricité dans la maison. Le disjoncteur général a été coupé. S'il devait encore y en avoir, ce pourquoi les risques sont assez faibles. Vous pouvez directement faire un procès à votre électricien, car c'est une faute grave. Et j'en profite pour saluer la noble profession des avocats, qui sont là pour faire respecter nos droits et sans lesquels la loi n'aurait aucun sens. J'en profite pour saluer mes amis, Bertram, Bruno, Eric, Stéphane. Salut les gars. Maintenant, ce qui peut se produire, c'est que vous ayez besoin quand même d'électricité dans la maison. Par exemple, si vous avez besoin d'éclairage parce que c'est le soir pour voir quelles sont les connexions électriques que vous faites dans une prise, par exemple, ou bien parce que vous avez besoin de la perceuse. Et à ce moment-là, vous allez couper le circuit électrique correspondant sur le boîtier. Maintenant, regardons un petit coup sur le tableau électrique. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup d'indications. Voilà. Donc, ça ici, rapidement, ce sont ce qu'on appelle les télérupteurs. C'est ce qui permet de commander des lampes à distance sur des circuits. Après, on a ici toute une série de disjoncteurs. On continue un peu plus bas, la rangée du dessous. Voilà, donc là, salle de bain, garage, jardin. Ouais. Et on descend, dernier niveau. Donc là, ici, c'est le niveau avec l'interrupteur, le disjoncteur général. Et ici, d'autres indications, comme par exemple la cuisine, le salon, la salle à manger. Un circuit pour le four. Donc un exemple, c'est cette prise ici qui se trouve dans le salon. Dans ce cas précis, il se trouve que j'étais là lorsque l'électricien a fait les montages. Eh bien, je sais que cette prise est dépendante du même circuit électrique que cette prise. Et dans le mur, il y a la jonction entre ces deux prises. C'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment vous méfier des inscriptions sur le tableau. Une autre raison pour laquelle parfois les indications sur le tableau ne sont pas justes sont simplement liées au fait que parfois on change la destination des pièces. C'est ce qui s'est passé ici. Au départ, le salon était dans cette pièce autour du poêle et la salle à manger se trouvait ici. Et maintenant, nous avons inversé. Le salon plutôt côté fenêtre pour que l'on profite davantage de la vue. Et la salle à manger, pièce utilisée finalement un peu moins souvent, se trouve maintenant dans cette partie un peu plus sombre. Alors évidemment, vous pouvez acheter un outil qui permet de mesurer l'électricité. Ça s'appelle un multimètre. C'est d'ailleurs pas très cher. C'est modèle simple. Mais en fait, si vous faites peu de travaux, ce n'est pas la peine de l'acheter. C'est pour ça que je vous propose quelques moyens alternatifs. Et peu onéreux, qui peuvent d'ailleurs s'avérer beaucoup plus utiles si jamais on travaille dans une maison, en particulier si on est seul. Maintenant, il y a deux options. Option 1, vous allez travailler sur une prise électrique. Là, on va utiliser la méthode dite radio. Option numéro 2, c'est que vous allez travailler sur des fils qui sortent du mur, par exemple pour installer une applique. Et là, on va utiliser la méthode de grand-mère. Donc, on commence tout de suite par la méthode radio. Alors, dans la méthode radio, ce n'est pas nécessaire de couper le disjoncteur général. Et là, on va simplement brancher la radio sur la prise où l'on va travailler dessus et la faire marcher à fond. Donc, maintenant, je vais brancher une radio sur la prise sur laquelle je vais travailler. J'en profite pour saluer nos amis journalistes qui sont là pour nous dire la vérité, ainsi que toutes les équipes des radios, des postes, des stations de radio, parce que moi j'adore la musique. Pour moi, la musique, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Je profite de l'occasion pour aussi saluer mes amis musiciens,
Rémi et David. Et j'allume la radio. Donc maintenant la radio tourne. Tous les circuits sont allumés. Et on va chercher quel est le circuit qui correspond. On y va progressivement. On va couper chaque circuit petit à petit. Et dès que ça s'éteint, c'est qu'on est sur le bon circuit. Non. 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 Ah. Donc nous savons que la prise sur laquelle nous souhaitons travailler est dépendante de ce disjoncteur, ici le disjoncteur A. L'avantage de cette méthode, évidemment, c'est très fiable, mais c'est surtout aussi on gagne du temps à ne pas devoir baisser tous les disjoncteurs et les rallumer. Maintenant, nous allons passer à la seconde configuration. On doit chercher le circuit qui correspond à des fils qui sortent du mur. Donc, la méthode de grand-mère, c'est hyper simple. En fait, on utilise ça, simplement une ampoule, une douille, avec les deux fils qui dépassent et avec des connecteurs rapides. Si vous voulez en savoir plus sur les connecteurs, je vous invite à regarder la vidéo qui est en lien. Il est important de vérifier avant que l'ampoule fonctionne. Donc là, on sait que la lampe marche. Ok, l'ampoule fonctionne. Et maintenant, je peux remettre l'ampoule sur ma douille temporaire. Maintenant, j'ai la certitude qu'il n'y a pas d'électricité là-haut. Maintenant, je prends ce connecteur temporaire et je fixe. Pour allumer, ici, il y a une sécurité. Donc, je ne peux pas la monter comme ça. Donc, j'appuie sur le bouton bleu. Et voilà. Donc maintenant, en fait, l'ampoule est branchée, elle est allumée. On a l'assurance que ça marche, parce que parfois l'interrupteur peut être coupé. Donc là, actuellement, la lumière est allumée. Et maintenant, je vais baisser et j'ai mon fils à l'étage qui va me dire si la lumière s'est éteinte. C'est ça? Non. C'est ça? Non. C'est ça? Non. C'est ça? Non. C'est ça? C'est bon, elle est éteinte. Ok. Donc maintenant, on a trouvé le circuit dont dépendent les fils qui sortent du mur. C'est le circuit L ici. Et ça veut dire que dans tout le reste de la maison, il y a du courant. Et si j'ai besoin de courant à côté de mon lieu de travail à la prise ou à l'ampoule qui s'est éteinte,
Eh bien, je vais pouvoir simplement prendre une longue rallonge et je pourrais prendre de l'électricité qui vient d'autres prises. Et enfin, le dernier avantage, c'est que, par exemple, l'Internet continue de fonctionner, ce qui permet à mon fils de jouer à des jeux en ligne, par exemple. Ou à ma femme d'écouter de chouettes musiques sur le tourne-disque. Une information importante après installation, c'est que si vous n'arrivez pas à mettre le disjoncteur en place, c'est-à-dire s'il redescend automatiquement, c'est qu'il y a quelque part une erreur dans votre branchement. Donc n'insistez pas auprès du disjoncteur, c'est précisément son rôle, c'est de s'éteindre s'il détecte un court-circuit. Par ailleurs, si vous avez fait par exemple une installation dans une machine et que vous la rebranchez, et que le disjoncteur saute, c'est simplement qu'il y a une erreur de branchement dans la machine. Vous voyez ici en direct le disjoncteur qui se déclenche à la suite du branchement d'une machine qui contenait un court-circuit. C'est du live, c'est pour vous. Je termine cette vidéo sur ce rideau rouge qui est le rideau original de la vidéo Comment accrocher une tringle à rideau. Et donc j'espère que ces petits trucs vous seront utiles dans l'avenir. Et si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un like ou bien abonnez-vous à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt sur Happy Hour TV One.